réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi. Je veux être comme toi, aimer comme toi, aimer comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Jésus. Parler comme toi, faire comme toi, être comme toi. Oh mon Dieu, oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi. Je veux être comme toi. Oh Baba, passer et baya, tout à rababre. Comme toi, penser comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, aide-moi. Je veux être comme toi. Comme toi, Jésus. Mets la main sur le cœur, Seigneur. Nous sommes venus à ce programme. Nous tous, le visage découvert. Nous venons humblement. Nous ouvrons notre visage. Nous sommes honnêtes. Nous nous découvrons devant toi. Nous ne voulons rien cacher. Et nous venons nus devant toi, Seigneur, de tel que nous sommes. Et nous admirons le caractère de Christ que tu as déposé en nous. Nous te contemplons, Jésus. Pour être transformé en ton image, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, par le travail que tu fais par le Seigneur Saint-Esprit en nous. Christ en nous, Christ en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Père pour ta grâce divine, à toi l'honneur, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. De sorte qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous les genoux. Quand Jésus dit les genoux qui sont dans les cieux, c'est les genoux, c'est les puissances des dominations, des autorités, des principes de ce monde des ténèbres. C'est-à-dire toute la puissance des ténèbres de Satan est blasée au deuxième ciel. Mais les Écritures disent que Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de cette force-là. De sorte qu'au nom de Jésus, ces dominations qui dominent des régions, ces autorités qui corrompent le cœur des peuples, se soumettent à Jésus-Christ. Tout ce qui est sur la terre, dans tout problème, se soumettent au nom de Jésus. Et tout ce qui est dans, sous la terre, dans les abîmes, dans les eaux, dans les mers, dans les profondeurs, tout ce qui existe se prosterne devant ce nom. Puissions-nous saisir la puissance, la bonté, la valeur de ce nom. Que nous élevons, que nous adorons. Oh mon Dieu, je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Nous voulons communier avec ton nom. Pour qui tu es. Moi je t'appelle. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus. Je t'invoque, je t'invoque, je t'invoque.
t'adore, je t'adore. Jésus, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Mon roi, je t'adore. Jésus, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Roi des rois, je t'adore. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'honorer. T'apporter nos offrandes. Honorer ta présence. Élever ton Saint-Nom. Adorer. Ah, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Ah, Jésus. Seigneur, je t'adore. Mon Seigneur, devant toi. Je prends ta face. Jésus, je t'adore. Ya, Jésus, braille. Le cadavre, le bras, la barricade. Il est ma braille, la soro, bara, la cata, la brada, et il est ma bro, et réunion, la taille, mon braille de slow, la île est gloriante, la brada, soro, bara, la cata, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, mon Dieu, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Pour qui tu es, Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, sois acclamé Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Nous t'élévons, Seigneur Jésus. Nous t'élévons, roi des rois. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Look on the red and ali and ale. Braidos la yote. She braides soba kayo de. Look at a ye shame. Esprit de Dieu, nous venons vers toi. Nous sommes assemblés au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nos yeux sont sur toi, toi le consolateur, viens nous conduire. Saint-Esprit, prends le contrôle, nous avons besoin de toi pour nous parler de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, nous avons soif de toi, viens nous conduire dans la guérison. Esprit de Dieu, inonde nos vies, remplis ce lieu de ta présence. Esprit de Dieu, oh, oh, remplis nos vies, oh, oh. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens nous conduire, viens conduire nos pas. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence, Esprit de Dieu, conduis nos pas. Conduis nos pas, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence, conduis nos pas, dans ta vérité. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies. Et conduis-nous encore une fois, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Remplis nos vies. Remplis nos vies.
de ta présence. Remplis-nous, remplis nos vies et conduis nos pas. Encore Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies et conduis-nous, Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Remplis nos vies. De ta présence, remplis nos vies, et conduis-nous. Quelqu'un dit au Saint-Esprit, appelons-le Esprit. Saint-Esprit, remplis nos vies. De ta présence, remplis nos vies, et conduis nos pas. Esprit de Dieu, voilà devant toi, Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, remplis nos vies, et conduis. Disons-le encore, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos vies, de ta présence, remplis nos vies, et conduis-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle, Jésus. Appelons le Saint-Esprit, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. C'est la puissance que nous avons reçue pour recevoir les choses de Dieu. Nous sommes assemblés en ton nom, Esprit de Dieu, nous sommes là pour toi, Consolateur, prends le contrôle, toi qui guéris les âmes, nous avons soif de toi. Seigneur, plusieurs d'entre nous sont là ce soir, assoiffés de ta solution, assoiffés de ta réponse, assoiffés de toi. Esprit de Dieu, je viens devant ton trône, écouter ta voix et suivre Jésus. Toi le conducteur qui dirige nos pas dans toute la vérité,
viens conduire nos vies. Consolateur, plusieurs sont souffrants, malades parmi nous. Consolateur, viens parler à nos cœurs. Puissance d'en haut, le monde a besoin de toi. Puissance d'en haut, prends le contrôle, l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies et conduis une dernière fois, Esprit de Dieu. Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle. Recata la babra ida solo barana canda la mabre de flo. Saint-Esprit, prenda se le mara la gloria da braida se le mata. Se le mara la sonda la dabro. L'Esprit du Seigneur. La parole de Dieu dit que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, pas l'Esprit du monde, afin que nous sachions ce que nous avons par l'Esprit du Seigneur. Brinda Sarabara la brise, Rakata la rebrayas, Gloria en la brise. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies. Et conduis nos pas. Et oh mon Dieu, remplis nos vies de ta présence. Saint-Esprit, remplis nos vies et conduis nos pas. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies, conduis nos pas. Remplis nos vies de ta présence. Pendant que tu répètes ces choses, aie soif du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène la guérison, qui amène la restauration. C'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux à la parole du Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit à l'église, il est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est présent. Remplis nos vies. Oh, yeah, de ta présence. Aïe, 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 slow. Remplis nos vies. Et conduis. Oh 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 oh, remplis nos vies, yeah, de ta présence. Ah ah ah, remplis nos vies, conduis nos pas et conduis nos pas. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Saint-Esprit, toute l'atmosphère est pour toi, tout l'environnement est à toi, tout l'environnement est à toi. Béni sois-tu Dieu vivant. Braille Sere Makata la Babraïde Sorobara la clone. Laide Sonta la Bakenda Braide Ente Shita Marabrus. Pré de Brada Sorobara la Glorianda Brada Se. Labakata Rababradas Lori Anta.
conda rababrada solo baka dala yandu wele le bris praishi. Les enfants assemblés en ton nom, et Esprit de Dieu, amen, la guérison. Puissance de Dieu, agis parmi nous. Puissance de Dieu, opère parmi nous. Puissance de Dieu, opère parmi nous. Et puissance de Dieu, opère parmi nous. Hey, oh, 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 oh. Saint-Esprit.
appelle encore. Le Saint-Esprit est là, il est là ce soir. Esprit de Dieu. Santo Espírito,
Je déclare, je proclame, je confesse, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu n'es plus malade au nom de Jésus. Les chaînes sont tombées au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Tu as la victoire au nom de Jésus. Tu triomphes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rababrada sorobara la kanda la mambra. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu opères parmi nous, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame Jésus pour la victoire.
je viens chercher ta face. Seigneur, je connais mes limites, mais mon cœur est occupé. Il y a tellement de choses en moi ont besoin de ton regard. Viens mon Dieu guérir mon âme et compassion de moi. Tu me connais.
Je te donne mon cœur.
Alléluia. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Qui est comme toi? Alléluia. Nul n'est comme toi, Jésus. Amen. Personne n'est semblable à toi. Merci pour ces instants que tu nous accordes. Descende au milieu de nous, que tu nous conduises dans chacun de ces instants. Jésus, prends le contrôle, Seigneur.
ces moments prophétiques, ces moments où nous sentons que tu es là. Nous aspirons tellement à ta présence, Esprit de Dieu, tellement à ta présence. Viens nous conduire. Nous ne pouvons pas marcher sans toi, nous ne pouvons pas parler sans toi, nous ne voulons rien faire sans toi. Pendant ces rendez-vous des MS Live, c'est toi qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie, tu nous montres la voie à suivre. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi. Seigneur intercède par des soupirs inexprimables. Et ce sont ces soupirs-là que nous sommes en train de dire par ces paroles. Oh, 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 oh. Le soupir de nos cœurs, le soupir de nos âmes, d'hommes et de femmes assoiffés de toi. En tout lieu, en ce monde, nous sommes là. Assoiffés. Assoiffé de ta volonté, nous sommes là assemblés en plusieurs endroits en ce monde, Seigneur Jésus, pour t'adorer, pour te prier, pour chercher ta face, pour voir ta gloire. Nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, quelqu'un acclame Jésus, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer. Smile the bright clothes of my eye, the red of the vitis. Hallelujah. Yes. Wow. Hallelujah. Nous allons oublier, nous allons positionner Jésus au-dessus de tous nos soucis. Il est le plus grand. 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 Notre Dieu est plus grand. On rentre dans la présence prophétique de Dieu en élevant le Seigneur. En élevant Jésus. Jésus, Jésus. Jésus a dit dans sa parole, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Nous devons élever le Seigneur afin qu'il nous attire vers le troisième ciel, dans notre cœur, dans notre esprit. Nous ne devons pas laisser les charges de la terre, les parts de nos soucis nous bloquer. Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de nos problèmes sociaux, de nos défis spirituels, de nos défis, quel que soit le type de défi auquel tu es confronté.
Ne les laisse pas te bloquer au premier ciel. Ne les laisse pas te bloquer au deuxième ciel. Mais élève Jésus au-dessus de cette situation. Élevons notre roi au-dessus de cette situation. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons. Oh. Braille de Disons que l'Éternel est au-dessus de tout, Yahweh, Yahweh. Approchons de toi, nous venons devant toi. Émerveillé Jésus. Émerveillé par l'éclat. Seigneur, c'est vrai. De ta beauté, Père. Oh, oh. Tous les anges se prosternent. Et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat. Nous sommes émerveillés. De ta beauté, Père. Oh, oh. Tous les anges se prosternent. Oh, oh. Chante à l'unisson. Émerveillé.
Jésus, tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de mes problèmes, tu es le plus grand, au-dessus de mes défis, au-dessus de tout, c'est toi le plus. La Bible dit que l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables.
La Bible dit aussi que celui qui prie en langue dit des choses incompréhensibles à l'intelligence humaine. C'est pourquoi là où tu es, tu vas élever la voix vers le Seigneur en d'autres langues, afin de l'élever par des langues. Élevons Jésus en langue, célébrons Jésus en langue, prophétisons dans les langues, déclarons dans les langues. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier signifie se construire. Le mot édifier veut dire se muscler de l'intérieur. Ça veut dire l'esprit prophétique, l'esprit de prophète qui est sur toi. Pendant que tu es en train de faire monter vers Papa Yahweh des paroles en langue, ton esprit se fortifie. L'esprit passe au-dessus de la chair. L'esprit passe au-dessus de ton âme. L'esprit passe au-dessus afin d'être sensible à la voix du Saint-Esprit, afin de nous connecter à la bonne fréquence. Baïde kala bayama, prions langue la baba baba. A kantara meme ma che karadabra. Lo kanda la bayede. Arababababa che. Shema mama mama sonda raba bradas gloria anda bra. Merci Saint Esprit. Lai de gloria anda bradas sonda raba bra. Lorsque tu seras élevé, tu attireras nos cœurs, les hommes à toi. Nous venons vers toi aujourd'hui, nous venons vers toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous ne voulons pas laisser notre chair, nos âmes, nos émotions nous distraire. Nous ne voulons pas laisser le deuxième ciel nous distraire. Tu l'as vaincu. Tu as vaincu la mort, Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu es élevé, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. La mort est l'ennemi le plus fort que nous ayons connu. Destruction des biens, destruction de toutes choses, mort spirituelle.
Tu es là, ma soeur, mon frère, en train d'entendre ce message. Et ta vie spirituelle est sous un assoupissement spirituel. La mort spirituelle a commencé à te gagner. Mais ce Jésus qui est élevé, ce Jésus qui est ressuscité, t'a conduit à ce live. Il t'a conduit à ce moment pour parler à ton cœur, pour te ramener dans ta communion avec Dieu, dans ton intimité avec le Seigneur, pour ressusciter, car il est ressuscité. Ne dis pas que Dieu te rejette. Aujourd'hui même, il te reçoit. Aujourd'hui même, il vient vers toi. Aujourd'hui même, il te parle. Là où tu es déboussolé, où ton âme est abattue, détruit par Amalek, Jésus est ressuscité. Mon Dieu, Rebayanda Rababe, Jede Bradas Glorianda Baba, Shaide Rede Baba, Baba, Kataraba Bradas Glorianda Bro. Seigneur, nous voulons te toucher, nous voulons te voir. Nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu. Je viens dans ta présence. Le cœur a soif de toi, Jésus. Nous venons devant toi. Viens
dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, et je m'attends à toi, je m'attends à toi, mon Dieu. Je viens dans ta présence et j'ai tellement soif de toi, et je m'attends à toi, mon Dieu, mon roi. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi. Je veux te voir. Oh, je viens des anges. Je viens dans ta présence. En venant devant toi. Le cœur assoiffé de toi. Nous avons soif de toi. Je m'attends à toi. Nous attendons à toi. Je m'attends à toi. Nous nous attendons à toi. C'est toi que nous voulons. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, mon Dieu.
yeux sont sur toi. Carianda rebabos ataraba bradas glorianda ba che catarianda bradas glorianda brada e lo kama mama 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 genere da bro raides glorianda bradas glorianda bradas cerebara la que ruta raba catariba bradas glorianda baba cheteri da bro re catarianda bradas sorobara la clarianda baba e Mama yende, oh mama yende, shaba chukaba rekata rababa yanda rabake. Nous venons de ta présence. Rekata rababa baba baba chere mara la so. Yanda brada slori yanda baba che. Nous venons devant toi et nous voulons affirmer ton règne sur nos vies. Déposer toi qui règne, c'est toi qui règne. Tu règnes sur toutes choses. Là où mes pensées avaient le contrôle, j'enlève ce contrôle. Tu établis ton règne, Seigneur Dieu. Là où mon âme me contrôlait, mes émotions me contrôlaient, je les amène devant toi, Seigneur Dieu. Montant vers le Seigneur et amenant devant le trône, devant la croix, tout ce qui nous contrôlait devant toi, nous abandonnons notre chair qui nous contrôle, qui nous donne des désirs. Nous ne voulons pas entendre la voix de notre chair, nous ne voulons pas entendre les voix de nos émotions, mais nous voulons entendre ta voix, écouter ta voix, recevoir de toi et marcher pour toi. Nous voulons t'entendre, entendre ta voix, recevoir de toi et marcher pour toi. Nous voulons t'entendre, nous voulons te voir, recevoir de toi, entendre ta voix et faire ta volonté. Car c'est toi qui règne, Jireta. Elle entend toutes sortes de voix. La peur veut m'assaillir, la crainte, le doute, les questionnements me conduisent, Seigneur. Mais je viens vers toi, me déverser pour toi. Ton Dieu, parlons à notre Dieu. Disons là où nous sommes, tout ce qui nous contrôle, nos peurs, nos doutes, nos craintes, nous abandonnons, Seigneur, devant toi. Nos craintes, nos doutes, nos peurs. La peur, quelle que soit la peur qui t'anime, mon frère, ma soeur, maintenant nous approchons du trône, nous sommes devant le trône de Dieu. Déversons nos craintes. Car les voix de nos peurs, les voix de nos craintes nous empêchent d'être connectés à Dieu. Lorsqu'on rentre dans l'environnement prophétique, la peur va te faire entendre les esprits de peur. La colère va te faire entendre des esprits de colère. La colère, la peur sont des états émotionnels. Nous devons les déposer devant le trône de Dieu. Sans quoi la voix, le son de Dieu va être pollué, va être atténué par nos
état d'âme. Nous venons simplement nous approcher devant le Seigneur. Venons devant notre Dieu. Déversons tout ce qui nous fait peur, tout ce que nous craignons. Ce matin, ce midi, personnellement, je suis monté sur la tour. Je monte sur la tour par rapport au pays où je suis, la Côte d'Ivoire. Par rapport à la fin de l'année, je monte sur la tour. Peut-être que là, toi, tu es monté sur la tour parce que Dieu t'a établi responsable de ton foyer, de ta famille, de ton église. Et tu montes sur la tour prophétique. Et tu montes sur la tour prophétique. Si en toi, la crainte, la peur, etc., peut-être tu es monté sur la tour par rapport à tes défis familiaux. Si ces craintes-là sont en toi, si tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain, fais attention à la voix de la peur. Fais attention à la voix de l'inquiétude. Lorsque la voix de l'inquiétude est en toi, lorsqu'elle est en toi, elle t'empêche d'entendre clairement la voix de Dieu. Elle trouble tes perceptions divines. Mais avec le trône de Dieu, pendant que tu dis qu'il règne au-dessus de toutes choses, tu te dis à Jésus que tu as le contrôle. Tu as le contrôle sur mon âme. Tu as le contrôle sur ma chair, sur mes pensées. Ah, Jésus-Christ, je dépose tout ça à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. C'est ton sang Jésus, c'est ton nom Jésus qui nous donne accès au trône de grâce. Tu dis approchez-vous avec assurance du trône de miséricorde et de grâce, du trône de la grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Nous venons devant ton trône, Jésus, je te propose. Père, je viens au travers du sang de l'agneau. Je viens au travers du sang de l'agneau. Je viens au travers du sang de l'agneau. Te présenter la Côte d'Ivoire. Je viens au travers du sang de l'agneau te présenter le défi de ma soeur, le défi de mon frère. Je viens, papa, au travers du sang de l'agneau présenter devant toi mes challenges, mes fardeaux. Je viens au travers du sang de l'agneau, papa, père, père, que vient de mon Israël. Je veux entendre ta voix. C'est toi qui as la sagesse, c'est toi qui sais toutes choses, c'est toi qui contrôles toutes choses. Mes peurs ne peuvent rien apporter, mais tout peut rien apporter, c'est toi qui fais toutes choses. C'est pourquoi nous voulons te dire tous ensemble, disons le feu de Dieu. Au-dessus de tout, tu règnes. Et Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Alpha puissant, allez. Mon Père est puissant.
de tous, c'est mon Père. Au-dessus, c'est notre Papa, c'est notre Papa, c'est notre Allié. Tu es puissant, tu es puissant, mon Papa. Ta force n'a pas de limite, ton pouvoir n'a pas de limite. Papa, tu es grand, tu peux toutes choses. Yeah, 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 yeah. Chambre, je crois que j'ai dû raconter cela. Et puis j'avais vraiment, ça avait beaucoup de sujets, de défis. Et papa a voulu me présenter le degré de sa, certains degrés de sa puissance, de sa force. Il dit, mon fils, tu n'as aucune idée de ma grandeur, de ma puissance. Et je comprends ce que la parole de Dieu dit, nous connaissons en partie, fraîchement. Lorsqu'on arrive dans cette atmosphère de notre papa, nous ne pouvons voir que des brins de connaissance. Mais ces brins-là, simplement, juste une phrase est suffisant. Juste un mot est suffisant pour donner la vie, pour ressusciter des morts, pour changer des situations. Notre papa est tout puissant. Père, souvent, tu vois, souvent il m'arrive d'oublier ta grandeur, d'oublier ta puissance. Quand je suis submergé par les défis du premier ciel, de la terre, je suis submergé, je peux m'inquiéter pour le lendemain. Et j'oublie, papa, que tu es encore au-dessus de tout. Tu es au-dessus, tu es au-dessus. Il y a des fois, je sens une pression démoniaque, maléfique, terrible. J'entends des sons de voix qui me disent, tu vas mourir, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Mais je veux me souvenir d'une chose, que toi, mon papa, tu es au-dessus de tout. Et ce jour-là, maintenant, dans la présence de notre papa, de papa, de notre Dieu. Et mon fils, je sais toutes choses. Je contrôle toutes choses. Je règne sur toutes choses. Je ne sais pas comment. Et de là de ma position, c'est un peu comme si en esprit, je voyais un arbre qui était en dehors de la maison. Et l'esprit me dit, tu sais, sur cette arbre-là, sur telle feuille, il y a une fourmi. Et la fourmi, je la connais. Je sais quand elle est née, qu'est-ce qu'elle est, d'où elle vient. Je suis celui qui sait, je suis celui qui sait, je suis celui qui voit, je suis celui qui sait. J'ai dit, ah Seigneur, tu la connais. Il dit, non, mon fils, dans le même arbre, je peux te dire exactement il y a combien de fourmis qui sont là. Je peux te dire exactement il y a combien de chenilles qui sont là. Je suis conscient de tout cela à la fois au même moment. Au moment où tu es en train de penser, de prier, de faire toutes choses. Je sais toutes choses. Je sais toutes choses. Je dis papa. Il dit là où tu es assis, il y a à côté, il y a un chien. Et je sais ce qu'il est en train de rêver. Et sous la terre, il y a des termites. Et je les connais par leur nombre. Je les connais par leurs détails. Je sais toutes choses à la même seconde. À la même seconde. Au même moment. Je sais toutes choses. Je dis, tu crois que je sais simplement ce qui est juste à côté de toi? Je connais tous les arbres qui sont sur la terre. Et exactement le nombre d'insectes qui sont dans chaque arbre. Vous voyez là où je me tiens? Alors j'entends qu'on ne peut pas me dire. Tu vois, ici, je peux te dire. Comment s'appelle le ver de terre qui passe par ici? Comment s'appelle le petit criquet qui saute d'un arbre? Je peux te dire quand il est né, le nombre de poils qu'il a. Je regarde un pigeon, je peux te dire il a combien exactement de plumes. Et ce, sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh.
je le sais, je les connais, je les connais. Dans le détail, je sais toutes choses. Et il m'a ramené le soir, j'étais assis, il m'a ramené à une image que j'avais. Une image que j'avais. J'étais parti visiter des terrains. Et il y avait beaucoup de termitières. Et pendant que je me tenais là, l'esprit m'a ramené vers les termitières. Et il m'a montré comment il les connaissait. Tout ce qu'il savait. Et ce qu'il me dit, c'est que ces choses ne s'arrêtent pas là. Il le sait sur la terre entière. Il connaît les profondeurs des eaux. Tu sais, il y a des profondeurs dans la mer que l'homme n'a jamais expérimentées. Les humains connaissent mieux le ciel qu'ils ne connaissent la mer qui est à côté d'eux. Il y a certaines distances où nos appareils, tous les systèmes ne peuvent entrer. Aucune lumière n'arrive là-bas. Mais les hommes ont su que sans lumière, dans l'obscurité totale, il existait des animaux. Il existait des animaux. Dernièrement, je regardais encore un documentaire sur le fleuve Congo, qui est un des fleuves les plus profonds au monde. Et il a des profondeurs très très loin. Et il y a des animaux là-bas qui n'ont pas Dieu, qui ne voient pas. Et mon papa a dit qu'il les connaît. Il les connaît, chaque poisson, chaque écrevisse, chaque tout ce qu'il y a à l'intérieur. Papa les connaît, papa les connaît, papa les connaît, papa le sait. J'étais omnibulé. Je dis, Seigneur, je ne réalisais pas. Et en fait, papa me disait ça. Il dit, mais tu dis, parce que je t'entends de prier, papa, je veux te connaître. Tu veux me connaître intellectuellement. Comment tu peux me saisir? En fait, ma prière venait de cette révélation-là venait de ce sujet. Je priais, je dis, Père, moi aussi je veux te voir. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils t'ont vu, je veux te voir. Il dit, mon fils, je ne m'ai jamais vu. On ne peut pas me voir. Qu'est-ce que tu veux me voir? C'est moi la fourmi là. C'est moi qui suis la fourmi. C'est moi qui suis l'écrivain qui est caché. C'est moi qui suis. C'est moi. Donc, chaque fois que tu vois des arbres, chaque fois que tu vois un arbre, tu es en train de me voir. Tu vois ma perfection. Tu vois mes œuvres. Tu vois mes œuvres. Chaque animal que tu vois, chaque raisonnement. C'est moi ton Dieu, je suis dans la plante, je suis dans les insectes, je suis dans les humains, je suis partout, je suis partout, je suis ton Dieu. Chaque personne qui dit qui m'a vu, en fait, les yeux humains ne peuvent pas contenir ce que je suis, ce que je suis. Je suis plus grand que tout ce que tu viens de décrire. Est-ce que tu sais que je sais exactement le nombre de sable qu'il y a sur la lune? Ah, la lune, tu ne décris même pas. Après la lune, tu as des planètes, tu as la planète Mars, tu as les Vénus, toutes ces choses-là, je les connais. Et la Terre, elle est tellement minuscule dans la galaxie, dans le système solaire, qui lui-même est infiniment petit dans la galaxie, qui la galaxie même est infiniment petite dans l'univers. Et c'est moi qui ai fait toutes ces choses. Je dis, mais papa, comment tu es? Alors il dit, mon fils, tout ce que tu peux voir de moi, ce n'est que partiel. Ce n'est que partiel. Et il me dit, le soleil brille, peux-tu le regarder en face? J'ai dit non, je ne peux pas regarder en face le soleil qui brille. Ok, ce tasse-là, il est à 150 millions de kilomètres de la Terre et tu ne peux pas supporter son regard. Mais moi, ma lumière, ma gloire brille infiniment au-delà que toutes les étoiles que j'ai créées, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui brille, c'est moi qui les ai faites. Ma lumière est plus grande. Quelqu'un peut-il me voir? Quelqu'un peut-il me voir? Oh mon Dieu, allez.
Seigneur Jésus. Brenda Soro Bara la Clarianda Brada Setere de Bruce. Raides Glorianda Brada Soro Bara la Clarianda Bru. Reda Baba Shata Radabras. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Brenda Sara Bara la Glorianda Baba Shere Bara la Clé. Alléluia. Amen. Pouvons-nous acclamer notre Dieu, la grandeur de notre Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. Raï Baba Sere Bara la Glorianda Baba. Chatariba Bradas Glorianda Bradas Sere Bara la Bou. Raïdes Glorianda Bradas Soro Bara la Clarianda Bou. Alléluia. Amen. Nous voulons nous cacher en Christ. Nous cacher en Christ, nous abriter dans le nom du Seigneur. Et juste après ça, je lirai un témoignage d'un frère qui a vécu comment est-ce que ce terme-là est vrai lorsqu'on est en Christ, comment est-ce que Dieu nous fait vivre des choses et des situations miraculeuses. On va chanter caché en Christ pour entrer dans la présence de Dieu. Ce que je désire, c'est m'abriter en toi, rester caché en toi et faire l'impossible. Tu es le Dieu infini, illimité et caché en toi. Tout m'est possible encore. Ce que je désire, c'est m'abriter en toi, rester caché en toi et faire l'impossible. Tu es le Dieu infini, illimité et caché en toi. Seigneur mon Dieu, entends ma prière. Ce que je désire, être comme toi, parler comme toi, être comme toi, prier comme toi, oui, faire comme toi, pardonner comme toi, Seigneur, être comme toi. Être comme toi. Ce que je désire, c'est m'abriter en toi, rester caché en toi. Et que le monde te voit au travers de nous, restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous.
Que ton règne vienne sur toute la terre et que le monde te voie au travers de nous. Restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous. Que ton règne vienne sur toute la terre et que le monde te voie au travers de nous. Restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous. Que ton règne vienne. Oh, 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 je veux être comme toi, Seigneur. Je veux être comme toi. Ce monde a besoin de voir ta gloire. Et tu m'as choisi pour être ton image. Mais par moi, oh Dieu, je n'y arrive pas. Mais caché en toi, tout m'est possible encore. Ce monde a besoin, Seigneur, c'est vrai, de voir ta gloire. Et tu m'as choisi pour être ton image. Par moi, oh Dieu, je n'y arrive pas. Mais caché en toi, tout m'est possible. Mais caché en toi, Seigneur, tout m'est possible. Mais caché en toi, tout m'est possible. Oh. Ah là. Ah là. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur toute la terre et que le monde te voie au travers de nous. Restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous. Que ton règne vienne sur toute la terre et que le monde te voie au travers de nous. Restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous. Oh. Ah, ah, être comme toi, Seigneur, être comme toi. Être comme toi, être comme toi, être comme toi, Jésus. Bah, être comme toi, Seigneur, être comme toi. Je veux te ressembler, je veux être à ton image, Jésus. En ce monde plein de difficultés, de haine, en ce monde plein de défis et de challenges, je veux être comme toi, je veux être comme toi, je veux être comme toi. Être comme toi. Ah là là là, être comme toi, Jésus. Je contemple ta présence, Saint-Esprit. Je sais que tu es là et je ne crains rien. Rien ne vaut ta présence, Saint-Esprit. Tu me fais entrer dans une nouvelle dimension, Saint-Esprit. Tu me portes, Saint-Esprit. C'est une saison nouvelle pour les élus, pour les enfants de Dieu. Oh, nous saluons ta sainte présence. Alléluia. Nous saluons ta sainte présence, Saint-Esprit. Oh, quelqu'un qui voit sa saison commence à bénir le nom du Seigneur. Quelqu'un qui voit sa saison commence à élever le nom du Seigneur. Rien ne vaut ta présence, ce que je veux être avec.
avec toi, rien ne va. Ta présence, ce que je veux, être avec toi, rien ne va. Ta présence, ce que je veux, être avec toi, rien ne va. Ta présence, ce que je veux. Ta présence, ce que je veux, c'est te connaître. Rien ne vaut ta présence, mon Dieu. Ce que je veux, c'est te connaître. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est te connaître. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, rien ne vaut. Rien ne vaut. Seigneur, rien n'est comparable. Je veux te connaître. J'ai soif de toi. Oh, rien ne peut se comparer à toi, à ta présence. Je veux te connaître. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Comment, Seigneur, je puisse t'adorer si je ne te connais pas? Comment, Seigneur Dieu, puisse faire monter vers toi une louange qui te fait si tu ne te révèles pas à nous? Jésus, révèle-toi à nous. Montre-nous qui tu es. Ouvre les yeux de notre cœur afin que nous puissions te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Disons rien de faux. Rien ne vaut, j'aime ta présence. Rien ne vaut, ta présence. Rien ne vaut, rien ne vaut, ta présence. Ce que je veux, c'est t'adorer. Oh, rien ne vaut, je veux t'élever. Ta présence, je veux t'élever. Ce que je veux. Oh,
tu es Dieu. Tu es notre adorant. Car tu es Dieu. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tu es notre adorant. Car tu es Dieu. Tu es notre adorant. Oh, car tu es Dieu. Car tu es Dieu, c'est toi qui règne, c'est toi qui es Dieu. Oh, car tu es Dieu, et nous t'adorons. Car tu es Dieu, et nous t'élevons, et nous t'élevons. Oh, car tu es Dieu, et nous. C'est toi qui es Dieu. Car tu es Dieu. Et nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous faisons monter nos louanges vers toi. Car tu es Dieu. Et nous t'adorons. Car tu es Dieu. Et nous t'adorons. Nous affirmons ta gloire, nous cherchons ta face.
voulons te voir, nous voulons te toucher, marcher avec toi, grandir sans toi, heureux sans toi, nous marchons avec toi, mon Seigneur Jésus, mon Seigneur mon Dieu, mon Seigneur mon Dieu. Oh, oh. Nous faisons monter vers toi notre louange. Alléluia. Célébré. Et lorsque nous te contemplons, tu es élevé. Tu es glorieux, Dieu de majesté. Alléluia, alléluia. On va dire émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance, émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible, émerveillé. Émerveillé en ta présence, émerveillé en ta présence,
rien ne t'est impossible. Même me guérir, même me restaurer, émerveiller en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Oui, nous sommes émerveillés. Jésus est merveilleux en ta présence. Ta joie nous remplit d'espérance, Seigneur. Ta joie me remplit d'espérance. Oh, 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 oh. Personne comme toi. Jésus.
toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, oh oui, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, tu fais. Nous témoignons, Jésus, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, puissant est ton nom.
Nous voulons t'acclamer, Jésus, te lever, Seigneur. Oh, 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 alléluia, alléluia, à toi, mon Dieu, à toi, mon roi, Dieu tout-puissant. Raide lore mama ma chetere de bros, raide glorianda braida soro bara la glorianda bre, renda braida soro bara la cota raba bros, raide sota raba bre de glorianda braida sere mara la bre. Raides gloria da braida soro mara la gloria da brai re da braida soro mara la canta raba basho re de gloria da braida soro mara la claria da bra lonta raba che anda raba basho tara bro re da braida soro mara la gloria da bre re ba 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 ye re ba 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 ye choma mate choma kaya mind the riddles ere mario Braido soto re ma meno, shaba kaba, brenda braidas gloria, re ba 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 ye, re ba 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 ye, braide soro mara la gloria da braida sota da mabos, brenda braida gloria da braida soro mara la gloria da bro, re da braida soro mara la gloria da bra, braide shata raba braidas gloria da braidas gloria da mo. Brenda braida gloria na braida setere de bro. Alleluia. Braida gloria na braida soro mara la catara ma bro. Braida gloria na braida sotoro de bro. Braida gloria na braida soro mara la gloria na brais. Reda braida soro mara la gloria na braida setere de bros. Levé vers toi.
Praide sotara babraidas glorianda brada sotara babrus. Praide glorianda brada sorobara la glorianda bradas glorianda brais. Nous m'élevons vers toi, Jésus. Nous t'attendons. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Toutes choses sont à toi, Seigneur. Viens briser les chaînes. Délivre les captifs. Envoie ta parole et guéris les cœurs. Amène dans ce lieu ceux qui ne t'ont pas connu à te connaître, à se tourner vers toi, à se convertir. Amène-les à se tourner vers toi. Amène les malades à être guéris. Ne les laisse pas repartir chez eux avec la maladie. Seigneur, guéris tes enfants. Guéris ta créature. Tu connais toutes choses, rien n'est caché à tes yeux. Ceux contre lesquels Satan a établi une programmation négative, mais qui sont en ce moment connectés en ligne ou qui sont présents dans cette salle, Seigneur, délivre-les. Que les plans sataniques ne s'accomplissent pas dans leur vie. Dans le nom de Jésus. 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 Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce Mohamed Sanogo Live. Le dernier de l'année 2017. Et durant cette année, dans beaucoup de domaines, nous avons vu la main de Dieu. Un Dieu extraordinaire, un Dieu qui a fait des miracles, un Dieu de prodiges, un Dieu puissant. Quel que soit ce que tu as vécu en 2017, ne vois pas cette année comme étant négative. Souviens-toi des bonnes œuvres de Dieu. Une mauvaise attitude que les gens ont qui les amène à avoir une mauvaise préparation de l'année qui suit, c'est de quelque part de renier les bienfaits de Dieu dans l'année qui précède. Tu dis, oh, que 2017, que 2010 disparaissent avec ses malheurs. Non, non, tout n'a pas été difficile. Reconnais les œuvres de Dieu, la santé qu'il a gardée, les miracles qu'il a fait. T'es bien fait dans sa vie. Oui, tu te rendras compte que Dieu est un Dieu extraordinaire. Nous voulons lui donner toute la place maintenant. Être reconnaissant à Dieu. Être reconnaissant à toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, tu es le Dieu extraordinaire et tes œuvres sont admirables. Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour la vie que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu fais de des êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi? Oh, 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 oh. La la la, ah, la la la. Oh, oh, oh,
nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, encore tu es le Dieu extraordinaire. Et tes œuvres sont admirables. Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour la vie que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu fais de des êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi? Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, mon Dieu. J'ai vu des esclaves de la boisson devenir merveilleusement sobres. J'ai vu des personnes violentes devenir comme des agneaux. J'ai vu des personnes pleines de haine voir leur âme remplie d'amour. La prostituée enceinte femme, tout cela par la puissance de ta croix. J'ai vu des foyers dévastés reconciliés durablement. J'ai vu des cas désespérés se résoudre miraculeusement. Tu apportes tellement de bonheur et de joie dans les vies que je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Mon Dieu, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, mon roi, personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Personne n'est semblable à toi. J'ai vu des paralytiques marcher, des aveugles recouvrer la vue, des maux déclarés incurables, guéri par ton Saint-Nom. Tu accordes tellement de bonheur et de joie dans les vies que je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta part, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Mais comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu si puissant, tu es un Dieu si grand. En 2017, j'ai vu tant de miracles, tant de prodiges, tant de vies sauvées, Seigneur Dieu, dans toutes ces campagnes. Plusieurs personnes ont fait la paix avec toi. Je veux te dire merci. Merci pour tous ceux qui, dans cette maison, ont connu. Je veux te dire merci. Merci pour tous ceux qui ont été guéris au travers du live. Je veux te dire merci, Seigneur, d'avoir initié un tel programme et de bénir tant de vies. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Je veux te dire merci. Même dans les choses douloureuses qui nous sont arrivées, Seigneur Dieu, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Jésus. J'ai vu tant de malades, tant de vies guéries, Seigneur Dieu. Je veux te dire des vies transformées par ton bras puissant, ô Dieu. Je veux te dire merci. Je me souviens de tous ces témoignages de transfert surnaturel. Je me souviens des personnes qui ont reçu leur délivrance de démons en ligne.
Je bénis ton nom, Seigneur Dieu, pour ceux qui t'ont donné leur vie. Je veux te dire merci, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta foi. Seigneur, tu es présent parmi nous. Nous voulons acclamer ta présence. Et lorsque tu es là, Jésus, ton feu, que ton feu, que ton feu soit en nous, Seigneur Dieu. Lève une armée pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Suscite un peuple d'hommes et de femmes qui vont te servir avec le feu de ton esprit. Suscite des hommes, Seigneur Dieu, des hommes et des femmes qui se lèveront pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es parmi nous, tu es parmi nous, tu es parmi les humains. Et tu veux que nous témoignions de toi, Jésus. Mon Dieu, Seigneur Dieu, nos yeux levés vers toi, Seigneur Dieu. Nous attendons ton feu, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de toi, Jésus. Brenda baba chetere de braide sota la babrosa. Braide glorianda braide soro bara la glorianda bro. Oh Jésus, mon Dieu, merci pour ta présence. Disons que ton feu, Jésus, brûle en moi le mal. Que ton feu, Seigneur, que ton feu, Seigneur, me purifie. Me purifie. Que ton feu, ô roi, que ton feu, ô roi, se saisisse de moi. Se saisisse de moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous voulons le dire encore, que ton feu, Jésus. Que ton feu, Jésus. Oh mon Dieu. Seigneur, sanctifie ton église par ton feu. Seigneur, purifie ta maison par ton feu, mon Dieu. Me purifie, oh, que ton feu, oh roi, se saisisse de moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, en bas, mon cœur aspire. Respire à ton feu, ton feu. Envahis-moi par ton feu, ton feu. Consume-moi, consume-moi par le feu divin. Oh Dieu, Saint-Esprit. Envahis-moi par ton feu, ton feu.
Seigneur, embrasse-nous par ton feu divin, au nom de Jésus. Merci, je sais que tu es présent parmi nous, que par ta sainte présence, tu consumes tout ce qui n'est pas de toi, que par ton feu, tu nous animes d'un zèle pour la prière. Tu dis, le zèle de ta maison me dévore, et que là, ma maison, c'est une maison de prière. Ma maison est une maison de prière. Que ton feu qui donne le zèle, ton feu qui est arrivé dans ce temple et qui a enlevé les tables des vendeurs, c'est-à-dire le désordre. Seigneur, que le désordre soit ôté de nos vies et que le temple que nous constituons sur notre corps soit un temple de prière, soit une maison de prière. Seigneur Jésus, élève une armée de prière, des hommes et des femmes de prière. Fais de cette église une église qui prie puissamment, véritablement, et qui voit les choses changer. Seigneur, manifeste ta grâce, glorifie ton nom. Nos yeux sont sur toi, notre cœur te regarde, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour les restaurations, pour les vies qui sont changées. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen en acclamant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Bénis un voisin, bénis une voisine juste à côté de toi. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu.